Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Alors la France à la Révolution française, l'Amérique, la guerre de sécession, deux guerres civiles dans un pays qui se redéfinit, qui se définit, des débats historiographiques, des querelles idéologiques fondées souvent et hélas sur une appréhension simpliste des événements, de fresques en couleur idéales pour inspirer la littérature, la peinture, le cinéma. Si aujourd'hui on oppose souvent les héros du bien et de la liberté du Nord et les riches esclavagistes du Sud, il y a quelques années, le Sud avait l'héroïsme et le romantisme de son côté. En témoigne d'ailleurs par exemple le succès extraordinaire du roman, puis du film Autant en emporte le vent, et puis une autre lecture manichéenne des événements qui prend de l'importance aujourd'hui tant à réduire les causes et les enjeux du conflit à la question de l'esclavage et des rapports de domination entre les Blancs et les Afro-Américains. Difficile, comme pour la Révolution française, de regarder l'histoire dans sa complexité sans tomber, bien entendu, dans les clichés, surtout lorsque cette histoire a un lien si fort avec le présent et avec notre présent politique. Pour cela, rien de mieux que de revenir aux événements, aux faits, aux chiffres, aux noms, à ce qui s'est véritablement passé. C'est d'ailleurs le rôle de l'histoire et le rôle de l'historien. Et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Vincent Bernard. Bonjour. Bonjour. Vincent Bernard, qui est auteur d'un nouvel ouvrage, donc paru chez Passé Composé, La guerre de sécession, la grande guerre américaine 1861-1865. J'aimerais évoquer vos deux biographies. Vous avez écrit une biographie du général Lee et une biographie du général Grant, donc qui sont des grands personnages de ce moment de l'histoire des États-Unis. Et enfin, un autre ouvrage, Le Sud pouvait-il gagner la guerre de sécession, sous un angle un petit peu plus polémique. Vous insistez dans votre introduction sur l'importance de revenir à la chronologie, aux événements, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission, alors que la tendance est plutôt aux problématiques sociologiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ? Oui, alors aux États-Unis, ce conflit a donné lieu à une historiographie foisonnante depuis 160 ans. Donc l'état de l'art, j'allais dire, aux États-Unis est effectivement très avancé. Donc on est sur des problématiques extrêmement pointues où on s'interroge énormément sur la question de l'émancipation des Noirs, la reconstruction, la période qui suit la guerre de sécession et qui est une émancipation finalement ratée des Afro-Américains. Et on est en décalage profond avec la France, puisque finalement il y a très peu de choses qui ont été publiées en français, donc j'ai voulu, modestement, apporter ma pierre en réalisant une synthèse de ce conflit qui soit à la fois suffisamment accessible pour le public français, et en même temps qui brosse un véritable tableau de toute la complexité de ce conflit qu'on ne connaît généralement, alors soit au travers d'objets culturels un peu simplificateurs nécessairement, soit au travers de biais un petit peu simplistes, le nord abolitionniste, le sud esclavagiste, et c'est à peu près tout. Voilà. Donc c'était le sens de la démarche. Alors, on va revenir sur les causes de cette guerre de sécession, mais il y a un moment où vous parlez de Tocqueville, enfin vous citez Tocqueville, qui dit que l'esclavage n'a pas créé au Sud des intérêts contraires à ceux du Nord, mais il a modifié les caractères des habitants du Sud et leur a donné des habitudes différentes. Alors, quand on lit cette phrase, on a l'impression que c'est en fait deux pays qui cohabitent et que chaque pays a son économie, sa politique, son rapport à l'identité et au mode de gouvernement. Alors, ce sont en fait deux parties des États-Unis qui sont sur des trajectoires différentes. L'esclavage existe au Nord au moment de l'indépendance américaine. Il y a les États du Nord abolissent l'esclavage petit à petit. Donc c'est quelque chose qui est pas inconnu. L'esclavage est une histoire qui concerne l'ensemble des États-Unis originels. Mais au fil des décennies, les intérêts économiques, effectivement, en particulier la culture du coton, qui nécessite une main d'œuvre, non seulement une main d'œuvre importante et une main d'œuvre, j'allais dire fixe. Qui va donc favoriser fortement le développement de l'esclavage, et à l'inverse, le Nord, qui est dans une logique différente, et qui commence à s'industrialiser, à se financiariser, enfin on est aux prémices des États-Unis modernes. Donc au fil des décennies, ce que
ce que pressent déjà Tocqueville, ce qui est quand même dans les années 1830, ce sont ces deux trajectoires finalement qui divergent et qui vont conduire, alors après une série de compromis, de crises et de compromis assez complexes tout au long du 19e siècle, à la rupture nette en 1860-1861 entre ces deux mondes finalement, ce que sont devenus le Nord et le Sud, même si ce ne sont pas deux entités figées. Il n'y a pas un Nord abolitionniste très clairement défini, il y a des border states qui sont entre les deux. Voilà, on est sur quelque chose de complexe également. Quelles sont les différences entre le Nord et le Sud sur le fonctionnement économique des États? Alors, pour simplifier, le Nord, on le qualifie souvent industriel. En fait, il est en cours d'industrialisation. Il y a une dynamique démographique très forte, une très forte immigration venue d'Europe. Et le Sud a une économie beaucoup plus rurale. Donc c'est ce qui différencie essentiellement les deux modèles économiques, même si là encore il faut des nuances. Dans le Nord, le Midwest par exemple, ce sont des États encore agraires, l'Ohio, l'Indiana, mais on a dans le nord-est des États-Unis, une économie qui est plutôt protectionniste parce qu'elle s'industrialise, donc ses intérêts sont de protéger la production locale et le marché local, donc elle a tendance à être protectionniste. À l'inverse, le Sud, dont la richesse dépend très largement de la production, alors d'abord du tabac, puis surtout du coton, est plus libre-échangiste. Et donc on est sur deux logiques de plus en plus irréconciliables qui se cristallisent par l'existence de l'esclavage, qui est également, en termes de questions morales, de plus en plus remise en cause au cours de ces décennies-là. Est-ce qu'on peut dire que l'enjeu majeur, l'enjeu principal de cette guerre, c'est l'esclavage? C'est la question de l'esclavage. Alors, moi j'aime utiliser l'expression, c'est la toile de fond. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de guerre de sécession sans l'esclavage. C'est ce qui cristallise les différences entre les deux mondes. Mais ça n'est pas suffisant dans le sens où le Sud fait sécession parce qu'il veut protéger son modèle de société, qui est centré autour de l'esclavage, enfin qui est organisé autour de l'esclavage, mais c'est l'ensemble de son modèle de société qui veut protéger. À l'inverse, le Nord ne prétend pas abolir l'esclavage, il n'en a pas les moyens, il n'en a pas les moyens juridiques, même Lincoln, qui est un abolitionniste, sait parfaitement qu'il ne pourrait pas abolir l'esclavage. Ce que veut faire le Nord à cette époque-là, en tout cas une partie du Nord, les républicains, c'est le contenir, éviter que l'esclavage ne se répande, en particulier dans les Caraïbes, ce que certains sudistes voudraient vraiment créer, un véritable empire servile dans ces régions-là. C'est la toile de fond qui cristallise le conflit, mais il n'empêche, voilà, il y a des logiques qui sont plus complexes. Encore une fois, on pense à cette guerre souvent comme une guerre d'abolition, elle ne l'est pas à l'origine, elle le devient, comme la sécession intervient pas seulement à cause de l'esclavage, mais elle n'aurait pas eu lieu sans l'esclavage. Donc voilà, on est sur des problématiques imbriquées, complexes, qui sont à la fois économiques, à la fois donc d'intérêt, à la fois de contrôle social. C'est-à-dire, ce sont des sociétés, pour dire les choses très simplement, ce sont des sociétés racistes où les gens, les hommes du Sud, ne veulent pas vivre sur un pied d'égalité avec les hommes noirs. Donc la hiérarchie sociale pour eux est quelque chose d'entendu, d'acquis, et veulent préserver ce modèle de société-là jusqu'au bout. Alors cette question, elle va, c'est ce que vous disiez, c'est la toile de fond de la guerre de sécession, mais est-ce que avant cette guerre de sécession, avant 1861, l'esclavage est un sujet de conflit? Alors il le devient progressivement de plus en plus au fil des décennies. Il y a un certain nombre d'épisodes. Paradoxalement, avant les années 1830, on est plutôt dans une logique de réflexion quant au devenir de l'esclavage, et plutôt avec des... Il y a des débats d'abolitionnistes même dans certains États du Sud, mais ça disparaît en particulier avec la révolte de Nat Turner en 1831, qui est un massacre, une révolte d'esclaves qui provoque un massacre qui a vraiment des conséquences importantes sur les mentalités sudistes. Et donc cette question devient de plus en plus sensible, jusqu'à cristalliser encore une fois les différences entre deux mondes qui se regardent de plus en plus comme étrangers finalement. Et ces deux mondes, vous commencez à s'affronter, à se confronter avec une élection qui a lieu en novembre 1860. C'est un fait politique qui déclenche
ce bouillonnement et cette explosion de violence dans l'Amérique. C'est l'élection d'Abraham Lincoln à la tête d'un jeune parti tout récent, qui a quelques années, qui s'appelle le Parti Républicain, qui a une plateforme abolitionniste, qui avait déjà tenté de remporter les élections en 1857, mais n'y était pas parvenu parce que son candidat était trop radical, justement, sur cette question. Et Lincoln est plutôt un modéré. Et le Parti Républicain va profiter de la scission du Parti Démocrate, qui est hégémonique dans le pays à cette époque-là, et qui est autant au nord qu'au sud. Mais l'élection de 1860, il y a une rupture, c'est-à-dire entre les démocrates du sud qui ne veulent rien lâcher en matière de préservation de ce qu'ils appellent le droit des États, c'est-à-dire le droit en particulier d'avoir des esclaves, et le nord qui n'est pas du tout abolitionniste, mais qui en a un petit peu assez de se faire dicter un petit peu son programme par les démocrates du sud. Alors, je simplifie encore une fois. Mais donc il y a la rupture de ce parti démocrate qui fait que les élections de 1860 sont des élections non pas entre deux adversaires, mais à quatre. Il y a un jeu à qui s'établit, et qui fait qu'Abraham Lincoln est élu très largement, mais uniquement par les États du Nord. C'est-à-dire il a à peine, voire pas du tout, été représenté dans les États du Sud. Et cette élection donne le signal pour les ultras, j'allais dire, de les ultras sécessionnistes, qui depuis quelques années nourrissaient ce projet-là, de se lancer véritablement dans la rupture. Et donc c'est la sécession de la Caroline du Sud, fin décembre 1860, qui lance ce processus, qui va amener 7 États, puis par la suite 11, à rompre avec avec la Fédération américaine. Et alors, quand commence la guerre, exactement, quel est l'événement fondateur de... Alors, pendant plusieurs mois, on se regarde un petit peu en chien de faïence. L'enjeu principal, c'est la propriété des possessions fédérales sur le territoire sudiste, en particulier les forts militaires. Et personne n'ose encore faire le premier pas de manière agressive. Et donc, la crise se cristallise autour du Fort Sumter, qui est un petit fort en baie de Charleston, en Caroline du Sud, et que Lincoln ne refuse d'évacuer parce qu'il veut maintenir le drapeau fédéral levé dans les États du Sud comme un signe d'autorité nationale préservée, et jusqu'à pousser donc le gouvernement confédéré à faire tirer sur le Fort Sumter le 12 avril 1861. Et c'est l'événement déclencheur des hostilités, puisqu'à partir de ce moment-là, on va commencer à mobiliser vraiment dans les deux camps. Les border states, encore en balance entre les deux parties, vont justement choisir leur camp. Et les hostilités donc se déclenchent à ce moment-là. Les border states choisissent leur camp à ce moment-là, ou ils vont osciller entre les deux? Ils oscillent, alors c'est compliqué. Il y a 8 border states, on ne va pas faire le détail de ce qui se passe dans chacun d'entre eux. Mais ils sont tous plus ou moins tiraillés entre la fidélité au drapeau national et le fait de rejoindre la Confédération. Et 4 d'entre eux vont finir par le faire, la Virginie, la Caroline du Nord, l'Arkansas et le Tennessee, tandis que d'autres vont être secoués, donc un petit peu il va y avoir un certain nombre d'événements au Kentucky, au Maryland, au Missouri, mais finalement ces États-là vont quand même rester dans le giron de l'Union, même difficilement ils vont rester dans le giron de l'Union. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a dans l'Union des États esclavagistes qui le reste pendant toute la guerre. Et c'est une des complexités apportées à la lecture du conflit, c'est que ça n'est pas les États libres contre les États esclavagistes, ce sont une partie des États esclavagistes contre le reste de l'Union. Oui, c'est intéressant de le souligner, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ignore. C'est un des éléments qui fait la complexité et en particulier la difficulté qu'a Lincoln à unir son camp, parce que il doit également faire avec les intérêts des États esclavagistes restés fidèles. S'il veut pas les voir basculer dans l'autre camp, il est obligé de faire un certain nombre de concessions et de compromis, et en particulier de ne pas s'attaquer à l'esclavage trop frontalement avant fin 1862, début 1863. Oui, ce que vous expliquez, enfin ce qui ressort dans votre livre, c'est que Lincoln a l'air d'être quelqu'un d'assez pragmatique, ou qui tend à être pragmatique et à vraiment concilier. Le but de Lincoln, c'est vraiment l'union de tous les États. C'est le but, voilà. Alors Lincoln, déjà, c'est un modéré, je l'ai dit tout à l'heure, au sein du Parti Républicain, et c'est quelqu'un qui a un sens politique qui est un réaliste, qui admet en particulier ne rien connaître à la chose militaire. Donc il ne prétend pas dicter la façon dont doit se dérouler le conflit, et qui marche sur des œufs au plan politique. Donc il doit mener sa barque, oui, entre une opposition intérieure très importante, en particulier les démocrates, et donc son obsession première, c'est le maintien de l'Union.
La question de l'abolition, il arrive à l'immiscer, enfin à la faire surgir petit à petit. Et à la fin de la guerre, par contre, les deux conditions sont totalement interconnectées. C'est-à-dire que ce sera l'abolition et l'union avec les États du Sud. On ne transige plus là-dessus. Mais la première partie de la guerre est encore ambiguë sur cet aspect-là des choses. Alors, comment se recrutent les armées? Comment se forment les différentes armées pendant la guerre? Alors, il faut voir que les États-Unis ont une armée régulière minuscule, c'est l'équivalent d'à peu près 15 000 hommes en 1861, et qui non seulement est minuscule, mais en plus répartie dans des immensités de l'Ouest pour surveiller les tribus indiennes ou coloniser les nouvelles terres, aider à la colonisation de nouvelles terres. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'appareil militaire disponible immédiatement. Donc les États-Unis à cette époque-là ont recours aux milices au XIXe siècle. Chaque État est censé organiser et maintenir en plus ou moins en état des milices qu'on peut mobiliser le cas échéant. C'est une institution qui est largement en déshérence, donc on fait un appel aux volontaires, donc il y a des compagnies de milices locales qui s'organisent, qui se regroupent en régiments, et donc on improvise littéralement dans les deux camps un appareil militaire qui prend des proportions très importantes très rapidement, puisqu'on passe de quelques milliers de miliciens en printemps du 1861 à, je crois, il y a 180 000 hommes au nord et 112 000 déjà au sud en juillet 1861. Donc c'est une montée en puissance très forte. Et à la fin de la guerre, il y aura jusqu'à 3 millions d'hommes qui seront battus dans les deux camps. À peu près 2 millions au nord, un peu plus de 2 millions au nord et 1 million au sud. Alors ce qui est intéressant, c'est que les soldats, les généraux qui se battent lors de la guerre de Sécession regardent toujours un petit peu l'Europe. Et vous citez le général Ulysse Grande qui explique que, contrairement aux soldats européens qui viennent, donc je cite, d'une classe de la population ni très intelligente, ni très concernée par la lutte à laquelle ils sont appelés à prendre part, nos armées étaient composées d'hommes capables de lire, d'hommes sachant pourquoi ils se battaient et ne pouvant être obligés de servir comme soldats, sauf en cas d'urgence, quand la sauvegarde de la nation était mise en jeu. On a l'impression que tous les soldats sont poussés par un idéal et par des convictions politiques très fortes. Alors c'est à la fois vrai, bon, il faut voir que Grant n'avait pas une grande estime pour les vieilles nations européennes, hein. Il a quelques saillies comme ça qui ne sont pas très agréables, ni pour les uns ni pour les autres. Mais en même temps, il a raison dans le sens où l'une des particularités des États-Unis, surtout au nord, c'est beaucoup plus vrai au nord qu'au sud, la population est très éduquée à cette époque. Le taux d'alphabétisation est très élevé, donc il y a beaucoup de soldats qui savent lire et écrire, qui savent pourquoi ils se battent, qui lisent les journaux, qui ont un engagement. Et encore une fois, les motivations sont très diverses, mais la principale motivation, c'est avant tout du patriotisme. C'est on veut préserver l'Union contre les rebelles confédérés qui osent vouloir briser la nation. Quelles sont les différences numériques entre les deux armées ? Alors au début elles sont relativement faibles parce qu'on voilà, on crée des appareils militaires, donc encore une fois en 1861 on est de l'ordre de 1,5 contre 1, 180 000 contre 110 ou 120 000, mais évidemment le poids démographique du Nord est tel que ce différentiel va se creuser, et donc on a des armées qui culminent on a à peu près allez on va dire 650 000 hommes au Nord sous les armes et un total d'un million de mobilisés en 1865. Et au sud, on va culminer à 450 000 mobilisés à peu près, dont 300 000 en même temps au sein des armées. On est dans cet ordre d'idée-là. Donc c'est à peu près du simple au double, finalement. Alors on imagine que les combattants du sud ont conscience de cette différence numérique. Alors est-ce qu'ils espèrent vraiment battre le nord militairement ? Alors ils l'espèrent de deux façons. Premièrement, parce que le sud est difficile à conquérir. L'avantage du sud, c'est qu'il laisse venir son adversaire dans le sens où lui demande qu'à être indépendant. C'est-à-dire, il cherche pas à envahir le Nord du tout, même s'il y aura des incursions au Nord. Mais voilà, donc l'avantage de la défense et l'avantage de ce qu'on appelle en termes militaires les lignes intérieures. Deuxièmement, c'est le Sud a conscience qu'il ne pourra pas détruire les armées du Nord, mais qu'il peut pousser une sorte d'implosion politique, ou en tout cas une crise suffisamment grave pour que le Nord finisse par renoncer, ou que les puissances étrangères, en particulier européennes, interviennent dans le conflit en sa faveur, en particulier pour limiter le blocus qu'organise l'Union. Donc cet espoir-là, c'est ça, c'est un espoir du faible au fort, qui est conscient, mais qui en même temps est militairement pas totalement irréaliste, en tout cas pas aussi irréaliste qu'on le dit parfois. C'est pas le différentiel numérique ne fait pas tout, si ce n'est que sur le long terme,
Le Sud n'a pas les moyens de gagner une guerre du jure, forcément, parce que le différentiel industriel, d'une part, et même numérique, d'autre part, est beaucoup trop important. Donc le Sud va chercher à chaque fois à porter des coups suffisamment forts ou à résister de manière suffisamment tenace pour que le Sud jette l'éponge. Alors vous venez de le dire... Le Nord jette l'éponge. Vous venez de le dire, la guerre a lieu notamment au Nord. En fait, le Sud est vraiment dans une démarche de défense. Oui. Donc la majorité des fronts se situe au Nord de l'Amérique. Alors les fronts, il y a trois fronts principaux qui sont dans les border states dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Le front principal, c'est entre les deux capitales, Washington et Richmond, donc ça se situe au nord de la Virginie, de l'état de Virginie. Il y a d'autres fronts importants au Tennessee, et beaucoup d'incursions au Kentucky. Mais quand je parlais d'incursions au nord, c'est qu'à plusieurs reprises, le général Lee en particulier va lancer son armée vers les États du Nord pour essayer de porter un coup. Il va échouer, il va faire ça par deux fois. Ça va être la bataille d'Antietam en 1862 et la défaite de Gettysburg en 1863, et où il essaye de porter la guerre au Nord. C'est-à-dire, c'est ce que les sudistes, ce qu'on a appelé depuis la défense offensive. C'est-à-dire, on défend son territoire aussi par des incursions pour essayer de récupérer les border states, de peser de peser d'un poids politique suffisant pour que le Nord finisse par dire, on n'y arrivera jamais, on n'arrivera jamais à les vaincre, donc on va s'arrêter là. Et à telle enseigne que cet espoir-là va perdurer assez tardivement, puisque en 1864, la campagne électorale pour la réélection de Lincoln est très, très disputée, très incertaine. En août 1864, Lincoln est sûr qu'il ne sera pas réélu, parce que le Sud tient bien le coup, justement, résiste, que les pertes montent en flèche, et que finalement, on n'arrive pas à trouver d'issue à ce conflit. Et ça, finalement, il est réélu. Alors, c'est la fameuse chute d'Atlanta dont on parlait tout à l'heure, autant n'emporte le vent. C'est ce moment clé où le front d'Atlanta donc se débloque, la ville tombe, et on a l'impression que la victoire militaire est à portée de main. Et ce qui permet en grande partie la réélection de Lincoln fin 1864, et finalement le dernier espoir du Sud disparaît à ce moment-là. Alors vous expliquez également que la guerre dure donc entre 1861 et 1865, que à partir de 1864, il y a une vraie évolution des conceptions stratégiques. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire que jusque-là, la guerre se déroule un peu par à-coups. C'est-à-dire qu'il y a différents fronts, on essaye parfois un petit peu de coordonner les efforts, mais en réalité, c'est du coup par coup. On lance une campagne dans l'Ouest, et puis une autre dans l'Est, qui ne sont pas coordonnées. Bon. Ce qui se passe en 1864, c'est que le général Grant est nommé à la tête des armées de l'Union, et lui, il a un plan global, général, pour essayer de remporter la victoire. Et donc, pour la première fois, alors grâce aussi à la modernité des moyens de l'époque, le train, le télégraphe, qui permet de communiquer assez rapidement, et puis grâce aussi au lien personnel qu'il a avec son second, le général Sherman, Grant organise ce qu'il appelle un grand plan pour, à l'échelle de l'ensemble des États-Unis, remporter une victoire militaire. Ça va pas se passer aussi bien qu'il le croyait, mais on a cette évolution entre des événements militaires un peu décousus et un grand plan d'ensemble qu'on pourrait appeler, ça s'appelle pas comme ça à l'époque, mais on va appeler ça l'art opératif, par exemple, qui va être théorisé surtout par les soviétiques au XXe siècle, mais qui a l'art d'articuler les forces sur différents fronts pour remporter une bataille à l'échelle du pays tout entier, finalement. Et alors, on a parlé de l'esclavage au début, puis on n'a pas parlé, en fait, du sort des esclaves pendant cette guerre de sécession. Alors, est-ce qu'ils y prennent part ? Est-ce qu'ils ont le droit de s'engager dans l'armée ? Alors, au début, ils ont le droit de s'engager dans aucune des deux armées. Ni au Nord, ni au Sud, on envisage d'armer pas seulement les esclaves, même les Noirs libres du Nord, par exemple. Alors, ils y participent, eux, déjà, d'une première façon, c'est en fuyant massivement le Sud. C'est-à-dire que toute la rhétorique sudiste consistant à dire « mais non, les esclaves sont pas malheureux, on s'en occupe bien, ils sont heureux, ils sont fidèles, ils vont rester... preuve que non, puisque par centaines de milliers, ils fuient vers le Nord dès qu'ils en ont l'occasion. Et le Nord donc va se poser la question « qu'est-ce qu'on va faire de ces... » Au début, ils les appellent les contrebandes, c'est des biens confisqués à l'ennemi. On est encore dans cette logique d'esclavage, même dans la rhétorique nordiste. Et puis finalement, 1862-63, on commence à envisager de les armer,
D'une part parce que ça fait une force supplétive très importante, et puis qu'en plus ça prive le Sud d'un maximum de main d'œuvre à mesure que les esclaves fuient justement vers le Nord. Donc l'Union va armer jusqu'à 180 000 Noirs, alors qu'ils soient libres du Nord ou esclaves ayant fui les plantations. Et donc il y aura jusqu'à 180 000 Noirs au Nord. Au Sud, il y a une expérience qui est faite, mais très tardivement, c'est-à-dire quand le Sud n'a plus rien à espérer militairement, fin 1864, début 1865, certaines voix commencent à s'élever pour dire le seul moyen de conserver l'indépendance, c'est d'armer les esclaves et de les affranchir. En particulier, le général Lee va défendre cette position-là comme le seul moyen militaire d'arriver à quelque chose. Et donc, il y aura quelques petites expériences qui vont être tentées, mais les réticences sont telles qu'au Sud, que de toute façon, ça prend des mois et des mois, et quand survient la fin de la guerre, c'est quelque chose qui est à peine ébauché et qui n'a quasiment rien donné. Mais il y a quand même cette idée que je trouve assez intéressante et qu'on oublie souvent, c'est que le Sud confédéré en désespoir de cause en 1865 commence à se faire à l'idée qu'il va sacrifier l'esclavage pour son indépendance, pour garder son indépendance. Donc il y a quand même quelque chose qui se renverse à ce moment-là, et que la fin de la guerre, la fin de la guerre met fin brutalement à ce mouvement également. Donc ça veut dire que le Sud est capable de tirer un trait finalement sur toute sa constitution sociale et politique son indépendance. Voilà, le gros paradoxe, c'est qu'après 4 ans de souffrance et des centaines de milliers de morts, et pour ne pas capituler finalement, alors quand on dit le Sud, c'est pas univoque, c'est un débat qui fait son chemin et qui monte petit à petit, mais il y a effectivement cette espèce de renversement de perspective que le Sud est prêt à sacrifier ce pourquoi il s'était battu finalement en entrant en guerre, c'est-à-dire l'esclavage, mais pour préserver son indépendance, se considérant comme une nation à part entière. Et donc c'est un débat qui est assez intéressant à suivre, mais on est vraiment dans la Confédération prend haut de toutes parts, c'est vraiment les derniers débats confédérés, mais c'est une question qui s'est posée, effectivement. Oui, vous parlez d'ailleurs des 100 jours du Sud, oui, la référence. Comme d'une grande agonie, mais une agonie que vous dites ponctué de sursauts. Donc un petit peu jusqu'au dernier moment, le Sud a ses petites victoires et espère toujours... Oui, il y a des petits soubresauts, des petits espoirs. Là, on parlait justement de l'idée d'armer les esclaves contre leur affranchissement. Certains commencent à prendre ça très au sérieux en se disant on pourra mettre dans les rangs 200 000 hommes. Si on tient jusqu'à l'été, on pourra les former, les entraîner, leur mettre un fusil entre les mains. Et du coup, on pourra peut-être résister une année de plus, deux années de plus. Donc il y a encore ces soubresauts-là, il y a encore quelques sont des traces d'espoir, parce que pour beaucoup de confédérés à ce moment-là, la messe est dite. Mais voilà, on a cette espèce de sursaut d'agonie, parce que voilà, ça se bat encore pendant 4 mois en 1865. L'effondrement n'est pas immédiat, et il y a encore un petit espoir. À telle enseigne que la veille de sa capitulation à Appomattox, le 9 avril 1865, Lee lui ordonne une dernière attaque, en espérant percer une dernière fois les lignes et puis arriver à rejoindre d'autres troupes qui se battent encore. Et donc il y a encore ce petit... On se raccroche encore à des fétus de paille, mais c'est jusqu'à la fin. Oui. Puis il y a un petit côté bataille napoléonienne aussi, peut-être pour le panache. Oh, il y a certainement cet aspect-là aussi, la dernière charge, le côté... Effectivement, il y a beaucoup de chefs sudistes en particulier qui sont nourris à la littérature romantique européenne et à la geste napoléonienne, sont un peu dans cette perspective-là. Et puis il y a aussi cet espoir politique de trouver une solution de dernière minute. Il y a les rumeurs les plus folles qui courent à Richmond en 1865. On parle d'une alliance de dernière minute avec la France via le Mexique pour contrer les armées du Nord, d'une intervention de la flotte anglaise. Enfin voilà, on est sur du fantasme, mais il y a ce côté dernier espoir. C'est une société qui sait qu'elle va mourir. Donc on n'a jamais vu, quel que soit le mal moral de sa cause, on n'a jamais vu une société se suicider elle-même de bonne grâce. Donc il y a une résistance assez jusqu'au boutiste. Oui. Alors comment le conflit est-il médiatisé à la fois en Amérique, mais également en Europe? Comment il est vu en Europe? Alors à cette époque-là, ou depuis? Non, à cette époque-là. Alors il est vu en Europe de façon un peu lointaine, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de câble transatlantique. Il y en a eu un qui a été posé à cette époque, mais il a duré 23 jours, je crois. Donc pendant la guerre, il n'y a pas de câble transatlantique, câble télégraphique. Donc les nouvelles ont un décalage important. Mais on regarde ce conflit de manière assez appuyée également et avec beaucoup d'intérêt. Surtout la France et l'Angleterre qui sont plutôt favorables au Sud.
parce que cette espèce de grande nation nord-américaine qui est en train d'émerger, on aimerait bien un petit peu lui rabaisser son caquet. Et puis, du côté français, il y a évidemment Napoléon III qui a des intérêts qui met un pied au Mexique rapidement et qui voudrait créer un empire au Mexique. Et qui a tout intérêt à ce que finalement les États-Unis s'entre-déchirent. Donc on regarde ce côté, ce conflit. Alors pour faire simple, les aristocraties, les chancelleries européennes sont plutôt prosudistes. Les peuples européens sont plutôt solidaires du Nord et de la notion d'abolition de l'esclavage. On est dans ce 19e siècle de lutte sociale. Il y a un peu cette dichotomie aussi qui fait que l'Angleterre, par exemple, qui est tenté d'intervenir en faveur du Sud à plusieurs reprises, ne le fait pas parce que son opinion publique est vent debout contre l'idée de défendre les esclavagistes. Donc on s'intéresse beaucoup à ce conflit, mais avec un décalage de temps, finalement, aussi. Alors vous soulignez les pertes humaines liées au conflit, mais en fait qu'ils sont également liés aux épidémies et aux maladies. Oui, alors c'est pour ça, quand on dit souvent que la guerre de sécession est la première guerre moderne, c'est en partie vrai sous certains aspects, mais c'est aussi la dernière guerre de type napoléonien, dans le sens où il y a beaucoup plus de morts du fait des conditions sanitaires et des épidémies que par les armes à feu, sur le champ de bataille proprement dit. C'est dans des proportions de 2/3, 1/3 à peu près. Il y a 1/3 de morts au combat et 2/3 de morts soit des suites de leurs blessures, soit des épidémies qui ravagent les camps. Et cette mortalité, par contre, est très 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 élevée, puisqu'on a on a parlé très longtemps de 620 000 morts, c'était le chiffre qui était plus ou moins acquis depuis le 19e siècle, mais tout en sachant que les sources étaient incomplètes. Donc on sait maintenant par des études démographiques que le trou démographique de la guerre de sécession serait entre 750 000 et 850 000 morts, vraisemblablement 750 000. Voilà. Oui, c'est colossal. Alors à l'échelle d'une nation de 30 millions d'habitants, c'est très important. C'est 2,5% de la population américaine qui disparaissent pendant le conflit. Et en termes de proportion des mobilisés, ça c'est un chiffre que j'aime bien citer parce que je le trouve frappant, il y a plus de soldats morts en proportion des mobilisés qu'il y en a en France en 14-18. C'est-à-dire il y a à peu près 16% des soldats français mobilisés en 14-18 qui ne rentreront pas chez eux, qui sont tués. Et il y a à peu près 19 ou 20% des, si ce n'est même plus, des soldats de la guerre de sécession qui sont tués, sauf que en 14-18 c'est essentiellement par le feu, et pendant la guerre de sécession c'est essentiellement du fait des maladies et des conditions sanitaires. Oui, ce qui nous permet de nous poser la question que vous posez également, est-ce que cette guerre c'est donc le premier grand conflit contemporain? Alors c'est sous certains aspects tout à fait, puisqu'on a on utilise, c'est un conflit de 4 ans à une échelle continentale, donc c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça. On compare souvent avec la guerre de Crimée, la guerre de 70. Bon, on a un grand conflit qui dure 4 ans à l'échelle continentale avec des armements les plus modernes de l'époque, des fusils rayés, des canons à longue portée, des ironclads cuirassés. Les premiers cuirassés datent de cette époque, hein, ce sont même des innovations du Nord et du Sud, même si les Français, les Anglais s'y intéressaient, avait déjà commencé à travailler là-dessus. On a les premières mitrailleuses, même si elles jouent un rôle totalement marginal dans la guerre, mais on a les premières mitrailleuses à manivelle, c'est pas encore les mitrailleuses automatiques. On a le télégraphe, on a le train qui transporte des corps d'armée entiers d'un front à l'autre sur des milliers de kilomètres. On a une mobilisation de l'économie qui est massive, qui est, au sud c'est quasi total. C'est-à-dire même jusque dans les familles, on coud des uniformes, on coud des drapeaux, l'économie de guerre est massive dans le sud des États-Unis. Et en même temps, c'est aussi la dernière guerre napoléonienne, dans le sens où tactiquement, on est dans un entre-deux avec la Première Guerre mondiale. On n'est pas du tout dans les logiques encore de puissance de feu qui vont se révéler en 1914. Il n'y a pas de mitrailleuse automatique, il n'y a pas de canon à tir rapide, il n'y a pas de voilà. Donc on est sur un entre-deux qui est un moment de bascule, qui est un point de bascule. C'est tout à la fois le dernier grand conflit napoléonien et le premier grand conflit de l'ère industrielle. C'est en ça qui est intéressant également. Alors comment se termine ce conflit? Est-ce qu'il y a un traité de paix? Est-ce qu'il y a des concessions? Alors, il se termine finalement par la capitulation pure et simple du Sud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traité de paix conclusif, parce que le Nord ne voulait pas reconnaître, pour eux c'était des rebelles, donc ils ne voulaient pas reconnaître le gouvernement confédéré. Donc, alors souvent on date la fin de la guerre de la capitulation de l'armée de Robert Lee, à Appomattox le 9 avril 1865. En réalité, ça n'est que la capitulation de la principale armée.
ça va entraîner des capitulations en cascade qui vont durer plusieurs semaines. Jusqu'en juin 1865, il y a encore des confédérés en armes et organisés. Et donc, c'est une succession de capitulations, finalement. Les restes du gouvernement sudiste sont capturés en mai, en pleine campagne. Jefferson Davis, le président confédéré, qui s'est déguisé en femme pour échapper aux poursuites, qui est capturé par un parti de cavalerie. Enfin, c'est presque une comédie burlesque, la façon dont ça se passe. Mais il n'y a effectivement pas de traité de paix. Il y a simplement, le Nord gagne. Le Sud, est instantanément ruiné, puisque ses dettes sont pas reconnues, sa monnaie ne vaut plus rien, voilà. Avec simplement l'obligation, l'affranchissement des esclaves, qui est assuré par la première institution sociale de l'histoire américaine, la première institution fédérale, qui est le bureau des affranchis, finalement, qui s'installe au Sud pour aider les populations noires à gagner leur liberté nouvelle. Mais on n'est pas dans une guerre classique, effectivement, avec un traité de paix, des conditions. Paradoxalement, Lincoln offrait des conditions pendant très longtemps au Sud. Contre son retour au bercail et d'accepter l'émancipation des esclaves de manière progressive, il était prêt même à offrir plusieurs centaines de millions de dollars pour que le Sud revienne dans le giron national. Mais les confédérés jusqu'au boutistes ont toujours refusé. Donc voilà, c'est une défaite militaire, un écrasement militaire pur et simple. Quel a été le rôle des Afro-Américains pendant cette guerre par rapport à leur propre émancipation ? Alors c'est très compliqué, parce que justement ça a été un aspect des choses qui a été longtemps soit ignoré, on peut dire, en milieu du XXe siècle, même un peu plus tard, soit simplifié, c'est-à-dire on évoquait le fait qu'il y avait des troupes noires, mais c'était à peu près tout. En réalité, il y a une part active qui est jouée par les Afro-Américains. Alors déjà, il y avait avant-guerre ce qu'on appelait le chemin de fer souterrain, la fuite des esclaves, il y avait des réseaux abolitionnistes organisés qui les faisaient fuir du Sud. Et puis encore une fois, ils œuvrent à leur propre émancipation de deux façons pendant la guerre. D'abord avec leurs jambes, en fuyant massivement, puisqu'il y a un demi-million d'esclaves sur 4 millions qui va s'enfuir. Une bonne partie, ils sont dans le Sud profond, ils n'ont aucun moyen de s'enfuir. Mais donc un demi-million, c'est quand même énorme. Et ensuite par les armes, puisque 180 000 d'entre eux vont s'engager dans les armées de l'Union. Et puis un peu aussi par la voix de Frédéric Douglass, par exemple, la voix d'un certain nombre d'activistes noirs du Nord qui poussent tant et plus pour obtenir l'émancipation et d'obtenir du gouvernement de Lincoln une politique très proactive sur cette question-là. J'ai envie de vous poser une question que vous posez avec le titre de votre livre. Le Sud aurait-il pu gagner la guerre de sécession ? Alors, c'est une question vaste et complexe. Dans le livre, même pour tout vous avouer, je n'y réponds pas. J'essaie de donner des éléments. Mais ça répond au fait que les Américains, depuis 160 ans maintenant, se sont beaucoup, beaucoup interrogés sur ce qu'ils appellent les « what if ». Et si, qu'est-ce qui se serait passé si ? Et donc, énormément de romans, des historiens très sérieux, des historiens universitaires qui ont écrit des essais là-dessus. Que serait-il passé ? Donc, est-ce que le Sud pouvait gagner ? Moi, j'aurais tendance à dire oui, dans des conditions un peu différentes, c'est-à-dire avec si certaines erreurs n'avaient pas été commises, si une gestion des ressources plus efficace avait été mise en œuvre, et avec un petit coup de pouce du destin, dans le sens si certains grands événements militaires avaient tourné en leur faveur plutôt qu'en leur défaveur. Ce que ça aurait donné par la suite, en particulier est-ce que l'esclavage aurait été aboli ou pas à long terme, de quelle façon, comment, est-ce qu'il y aurait eu une réunification du Nord et du Sud ultérieure, il y a certains auteurs qui ont imaginé ça. On ne peut pas le dire. Mais militairement, c'est James McPherson, qui est le grand spécialiste américain, qui rappelle que l'un des éléments qu'on oublie souvent quand on parle de l'histoire de la guerre de sécession, c'est la contingence événementielle. On a l'impression que tout va de soi, et en fait, beaucoup de choses ne vont pas de soi. Et je parlais de l'élection de Lincoln en 1864, la réélection. En particulier, c'est un événement qui est très tangent, longtemps, et qui aurait pu tourner tout autrement. Oui, ça peut paraître assez surprenant, parce qu'en effet, c'est pas de sa faute, mais la guerre a quand même commencé au moment où il a été élu, donc tous les peuples auraient pu se liguer contre lui. Mais en grande partie, il y a une très forte opposition politique, en particulier chez les démocrates, alors qui se rallient à lui au départ en grand nombre, puis ensuite certains prennent leur distance parce que la guerre dure trop longtemps, puis on a assez. Mais non, Lincoln hérite d'une patate chaude extraordinairement compliquée à gérer. D'ailleurs, il s'en sort. C'est là qu'on voit que c'est un politique de premier ordre. C'était, il mène sa barque de façon admirable. Alors qu'à l'inverse, quand on parle, est-ce que le Sud aurait pu gagner, Jefferson Davis est un très médiocre politique.
il tire à cible, il se prend le bec régulièrement avec les gouverneurs d'État sur des broutilles. Il se rêverait en général de cavalerie chargeant à la tête de ses armées. Pardon. Mais en termes de gestion politique de la Confédération, il est beaucoup moins efficace. Lincoln le surpasse de deux têtes à ce niveau-là. Ce livre, vous l'avez écrit pour les Français ? Oui. Vous expliquez qu'il y a beaucoup de sources américaines, que voilà, c'est vraiment une question qui est discutée, qui est étudiée. En France, beaucoup moins. Alors, d'abord sur les sources, j'ai une petite boutade là-dessus. Je trouve qu'il est plus facile presque d'étudier la guerre de sécession depuis la France, moyennant peut-être un peu de logistique, un peu d'aide, mais qu'un sujet français en France, parce que l'accès aux archives, il y a un nombre d'archives numérisées qui est extraordinaire. Toutes les universités, alors les institutions fédérales d'abord, les bibliothèques du Congrès, et puis un tas d'autres, et toutes les universités, il y a un nombre d'associations mémorielles invraisemblables qui numérisent des archives, qui les rend accessibles. Donc il y a un foisonnement de sources extraordinaires à utiliser. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Je veux dire, l'accès aux sources pour un Français, même sans passer son temps aux États-Unis, c'est pas du tout un problème. Et ensuite, pour les Français, oui, parce que il y a eu 60 000 livres, écrits sur la guerre de sécession aux États-Unis, soit un par jour. Je suis pas allé vérifier, mais c'est ce qu'on dit, ce qu'on répète assez régulièrement. Et en France, c'est très faible. C'est un sujet qu'on méconnaît vraiment, de manière assez surprenante, alors que c'est un des grands événements de la seconde moitié du 19e siècle. Merci beaucoup, Vincent Bernard. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, on n'a pas fait tout le tour de la guerre de sécession. C'est quatre années très riches et trop riches pour qu'on puisse tout évoquer en 45 minutes. Mais je vous invite, chers auditeurs, évidemment, à prolonger notre réflexion avec cet ouvrage, La guerre de sécession, la grande guerre américaine, 1861-1865. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.